Eh bien bonjour à tous, c'est Coco. Alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur Horizon Zero Dawn. Du coup, la dernière fois, on devait aller vers C'est pas ce que j'imaginais quand Méridian, j'étais si je dis gamin, pas de mais bêtises, ça je vérifie quand même parce que comme j'ai fait les quêtes secondaires. permet de protéger la ville. C'est ça, aller vers Méridian. J'ai fait les quêtes secondaires et les tâches à faire, donc c'est pour ça j'en doute. Donc du coup, à quoi? Moi, j'ai rien d'autre à dire. On va continuer vers Méridian. Sachant qu'on a plus trop l'air d'être sur les terres de Nora. Ou alors je ne comprends pas tout. Bah, je vous retrouve quand j'arrive ou s'il m'arrive quelque chose sur la route parce que là, ça va être long. Ça va, il n'y aurait pas trop longtemps. Je veux voir ce que c'est, j'ai vu un oiseau. Je veux voir. Vous pouvez penser qu'on peut voler dessus? Non. Ce serait trop beau, je pense. Oh, j'ai des lags. Nouvelle zone de chasse. Oh, on va pas chasser, non. On va à Méridian. Aïe. Oui, aïe beaucoup quand même. C'est quoi ça? J'aime pas beaucoup trop ça. Ça fait un boucan ce truc. Oui, mais tu sens que c'est des terres dangereuses. Hein. Oui, bah de plus en plus gros, bien évidemment. Bon, quelque chose me dit qu'on arrive à Méridian, on n'en est pas très loin. L'ombre assassinat, j'ai rien à. Qu'est-ce qui se passe ici? Pauline est à l'intérieur, quelque part. Erend aussi, cet autre étranger avec qui j'ai parlé la veille de l'éclosion. Erend a dit qu'il me présenterait sa sœur si jamais je passais par Méridian. C'est la capitaine de l'avant-garde. La ville est barricadée à cause d'une histoire de mort. Si ça continue, je vais ruiner d'ici un mois. Bon courage, tu veux passer. Oh la vache, elle est loin. Ne bougez plus. Suite à la récente attaque, aucun étranger ne pénètre dans Méridian sans une fouille complète. La récente attaque? Mais de quoi tu parles? Du meurtre de la capitaine Ersa et ses avant-gardes, bien sûr. En as-tu par les Karjas de l'ombre au col de la Crête Rouge? Ersa? La sœur d'Erend a été tuée? Parce que toi, tu connais Erend? Oui, je le connais. Appelle-le, il faut que je lui parle. Ça m'étonnerait qu'Erend, le nouveau capitaine de l'avant-garde, un homme en deuil, ait du temps à perdre avec une étrangère pouilleuse. À l'œil? T'es vivante. Je te croyais morte. Laissez-la. Allez. T'es venu à Méridian, rien que pour me voir? Tu bois ces temps-ci? Bah, pas vraiment. Un peu. Mais t'es en vie, c'est... On doit fêter ça, c'est ma tournée. Il faut qu'on parle, seul. Et il faut que tu te reprennes. Parle. Alors, je précise quand même. Bien sûr que j'approuve. Cette femme peut désormais entrer et sortir de la ville comme elle l'entend. À vos ordres, oui. Voilà, seul comme tu voulais. Qu'est-ce que t'as à me dire? Ah, peut-être ça, pour que ça j'ai appris après. Pour Ersa. Je suis désolée. Je sais qu'elle comptait pour toi. Qu'elle comptait? Elle comptait pour tout le monde. Elle savait toujours quoi faire. Elle donnait des ordres. Je fis les droits. Et je suis censé la remplacer. Mais j'y arrive pas. Mais elle est irremplaçable. J'irai plus ça.
Je serais là en fait, parce que je serais plus en train d'arrêter de te morfond. Mais je suis quand même plus... Accorde-toi un peu de temps, tu trouveras tes marques. Pas si je continue à boire comme ça. Arrête de boire. Et tu as pensé un peu à ce que ta sœur dirait? Je sais, t'as raison. Je devrais plus croire en moi, comme elle le faisait. Il s'est passé plein de choses depuis qu'on s'est vus. Pendant l'éclosion, un groupe de tueurs nous a attaqués. Ils nous ont massacrés. On était au village, on a entendu des explosions, dans la montagne. Plusieurs de vos braves sont arrivés, ils ont dit que des candidats étaient morts. J'avais jamais entendu des cris aussi désespérés que ceux de ta tribu. Comment t'as survécu? Ça n'a pas d'importance, ce qui compte c'est que c'était moi la cible. La cible? Je comprends pas. C'est moi que les tueurs voulaient, à cause d'Oline. Qu'est-ce que tu racontes? Mais c'est ridicule. Oline? Il faut que je trouve Oline. Je dois savoir ce qu'il sait. Mais c'est un allié. Non, c'est un traître. Je ne sais pas qui sont ces tueurs ni ce qu'ils veulent, mais je suis sûre qu'Oline les a aidés. Mais... je... c'est... J'ai aidé, je te demande pas de comprendre, Erend. Je te demande de m'amener à lui. Il est pas là. Il est parti chercher de la ferraille et des artefacts il y a quelques jours, je sais pas où. Tu connais des endroits qu'il fréquente, ses lieux préférés? Une maison, à Méridian. Ok, alors montre-moi. Il faut que je la fouille. Bon, soit. Mais je préfère te surveiller pendant que tu fouilles. Oh, mais non, je veux pas de lui. Il faut que j'aille chez Oline. Vite. D'accord, d'accord. Suis-moi. Ah voilà, allons chez Oline. Me dis pas qu'il faut que j'aille vous vaincre les ailes ou je sais pas quoi, j'ai pas envie d'y aller. Hein. Montez l'aigle, oui. Le vin, comment? Tous ces gens partout qui parlent en même temps. Comment vous faites pour réfléchir? Je réfléchis pas. Je bois. Pour résoudre le problème, il faut casser la... Cette fille... Okay. Oh, il a du mal à casser. Il laisse entrer n'importe qui dans la ville ces derniers temps. Donc... Depuis toutes ces années, pourquoi épargne-t-il ceux qui asservissent, torturent et tuent? Erend, tu devrais réclamer vengeance plus que les autres. Ta propre sœur, tuée. Et le roi, qui ne fait rien? Un mot de plus, espèce de sale langue de vipère. Et je te jette dans un cachot moi-même! Allez hop. Dégagez de là, ou je vous démonte tous à coups de pied! Qu'est-ce qu'il voulait dire à propos du meurtre d'Ersa? Pas maintenant. Mais si, maintenant. Bon, je comprends. Je comprends, et puis... Bon, comment on fait pour entrer? Ah, bravo pour la finesse. Tu y es. Essaie de ne rien casser. À part la porte. Tous ces trucs pour un seul homme. Ça paye bien les relations à la cour du... Voyons ce que ça cache. Hey, qu'est-ce que ça fait là? La vraie question, c'est comment l'ouvrir. Sans la clé, impossible. Une trappe blindée de fabrication au sérum, indestructible. C'est ce qu'on va voir. Qu'est-ce que ça va faire, un peu peur avec ses idées? J'ai un étage, enfin, on monte à l'étage. Ça fait beaucoup de métal. Ça pourrait m'être utile. Cette caisse a l'air lourde. Elle ferait pas mal de dégâts si elle tombait. Eh ben, on va l'aider un peu. Mais oui. Heureusement qu'on a dit de pas faire de dégâts. Hein. Je t'avais pourtant dit de rien casser, tu te rappelles?
On va accuser le vent. Oh, c'est le vent. Oh. Bah, je suis en bas. Olin tenait un journal. Olin ? Je crois qu'il sait lire des contrats, mais je l'aurais jamais vu écrivain. Il n'y a plus de doute. Olin savait que j'étais visée. Une carte. Les glyphes indiquent les lieux où il est allé. Ok. Obéis, et ils vivent. Rebelle-toi, et je leur trancherai la gorge, et laisserai leur corps pourrir au soleil. Ils ont enlevé sa femme et son enfant. Il ? Qui ça, il ? Les tueurs. Ils lui ont dit d'obéir ou il tuerait sa famille. C'est quand même pas très, très gentil, hein. Parler à machin. Tiens ta preuve. Lis la dernière page. Il parle de sa rencontre avec moi et de l'ordre de me tuer. Mais il se disait mon ami. Sale petit traître. Où t'as appris à lire les glyphes et ces trucs que tu vois, comment tu fais? Je suis divin. Je dirais peut-être pas, moi. Maintenant que je sais où trouver Olin, il faut que je parte. Seul? Où? Je me débrouillerai. Je vais plus vite seul. Attends. Si ton appareil te montre l'invisible... Laisse-moi passer, Erend. Je te demande de m'aider, Aloy. Je dois savoir qui a tué Ersa. Je ne parle pas de l'armée des Karja de l'Ombre. Ça, je le sais. Mais je veux savoir qui exactement. Je suis désolée pour ta sœur. Mais c'est ton combat, pas le mien. Fais pas comme si ça t'était égal. Si t'es là, c'est parce que tu cherches ceux qui t'ont presque tué, qui ont massacré ton peuple. Pourquoi tu obtiendrais justice, et pas moi? Écoute, je vais aller au col de la Crête Rouge, où on a retrouvé le corps d'Ersa. Je t'y attendrai. Quelques minutes de focus, c'est tout ce que je veux. Je t'en supplie. Le col de la Crête Rouge? Je vais voir ce que je peux faire. Ok. Trouver Olin sur le site de Fubila. Non, oh, j'ai compris. C'est pas drôle, ce jeu. Non, mais c'est fini de mettre des trucs à 1000 mètres, là. Je vais peut-être me TP, vous allez me dire. Olin, les quêtes secondaires, comme d'hab. Secondaires. Il faut te prendre plus près. Ils sont tous là, les machins que j'ai trouvés. Oula, ça s'énerve. Calme-toi. Il va péter, le machin. J'aurais dû prendre un chariot. Je me suis tendu, c'est pas mal. C'est ça que vous cherchez à faire. Vous vous efforcez de ramener à la vie ces machines du passé. Leur puissance sera un avantage. Des machines démoniaques sorties tout droit des profondeurs. Mais c'est un cauchemar. Un cauchemar, c'est ça. Les craintes les plus terribles de nos ennemis devenues réalité. Oui, levez-vous. Seul. Ces choses n'hésiteront pas à tous nous tuer. C'est uniquement à nos ennemis qu'ils s'en prendront. Et grâce à eux, nous récupérerons les terres. Ah 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 Mon focus. Ah ah
Il ne marche plus. Fouillez toute la zone. Il y a probablement des intrus. Pardonne-moi l'intrusion, Aloy. Mais je n'avais pas le choix. Ben, mieux en mieux. Qui êtes-vous ? Un allié concerné. Leurs focus sont désactivés, mais je ne sais pas pour combien de temps. Je te laisse t'occuper du reste. Qui êtes-vous ? Bah, va tuer ! C'est bien, on aime bien tuer. Ça, c'est bien, c'est cool. Tuer. Non, on fait pas ça, c'est pas bien. Bon, on va tirer avec ça en attendant, mais. C'est pas une mise en garde. Là, je suis au ralenti. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est aux lignes, poulains ou... C'est machin. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Quand tu veux, tu sors de ta cachette. Je peux respirer. Allez à Oulin. Oulin. Je te le jure, je te dirai tout. Je n'en doute pas. Les tueurs qui me poursuivaient à l'éclosion, qui sont-ils ? L'éclipse, un genre de guerrier sacré, une secte, les Karjas de l'ombre. Les Karjas de l'ombre ? Sauf qu'ils ne sont pas comme les autres Karjas. Ils ne vénèrent pas le soleil. Leur divinité est une sorte de démon. Leur superstition ne m'intéresse pas.
Oh, ce n'est pas une superstition. Leur démon est réel. Il a un nom, une voix terrifiante. Et ils font tout ce qu'il dit. Ouais, c'est vrai que c'est tu dis que démon. Ce démon que vénère l'éclipse a un nom ? Hadès. Il l'appelle comme ça. Oh. Hadès. Et tu l'as entendu parler ? Comme un poignard dans mon âme. Une seule fois, quand il t'a vu. Cette voix... Une sorte de tintement froid et atroce qui racle les os et vide les entrailles. Un son métallique qui ne ressemble à rien qu'on ait pu déterrer ou encore forger. Et qu'est-ce qu'il a dit ? Menace système détectée. Trois simples mots. Mais avec la voix d'un démon. Ok. Que veulent les membres de cette secte, à part moi ? Je ne sais pas. Mais les Karja étant en guerre civile, je suppose qu'ils veulent renverser le roi Soleil Avad et reprendre Méridian. Qu'est-ce que je viens faire là-dedans ? Je n'en sais rien. Pendant l'attaque de l'éclosion, un homme m'a suivi. Grand, fort, les yeux vides. Elis. Qui est-il ? La terreur du soleil. Le faiseur de cadavres, comme on l'appelait. Le champion du roi soleil démon. S'il avait pu mourir avec son roi. Mais il dirige maintenant l'éclipse. Tu peux me croire. C'est l'homme le plus dangereux du monde. Ok. Et chiant, t'as posé des questions qui intéressent. Je sais qu'ils ont pris ta famille en otage, mais pourquoi toi ? J'étais un pillard. J'allais fouiner dans les moindres recoins. J'étais doué pour ça. Ils ont dû penser que je ferais un bon éclaireur. Un jour que je ratissais vers la fin du Créateur, quand j'ai refait surface, ils m'attendaient. J'ai bien ri quand j'ai vu le prêtre. C'est à ce moment-là qu'il m'a montré la motivation d'Elis. J'ai vite arrêté de rire. Il m'a donné un focus pour me surveiller. J'ai suivi les ordres. Tu avais accès à Méridian. Pourquoi ne pas t'utiliser pour atteindre Avad ? Je suis trop pouilleux pour avoir une audience avec le roi Soleil incontestable, mais tout ce qu'Ersa et Eren ont pu me dire, l'éclipse l'a entendu par l'intermédiaire de mon focus. Je ne pouvais pas te prévenir. Autrement, ils auraient tué toute ma famille. C'est vrai que le focus ne marche plus, donc tu peux le faire. Pourquoi est-ce que l'éclipse déterre des machines antiques ? Et comment ils les remettent en route ? Je croyais qu'ils voulaient récupérer des pièces, mais au lieu de ça, ils les ont réanimées. Ils ont branché un appareil sur les cadavres pour qu'ils puissent entendre les paroles d'Hadès, et il les a ramenés d'entre les morts. J'ai déjà combattu ce genre de machine. Il y en a d'autres ? Oui, celles que tu as combattues aujourd'hui sont les corrupteurs. Mais il y en a d'autres, bien plus grosses, équipées d'armes antiques. Ils les appellent les porte-morts. Je ne les ai vues jusqu'à présent qu'enterrées. Mais après ça, tout est possible. On dirait qu'ils sont en train de rassembler l'armée. Dans ce cas, le monde s'effondrera. Et j'aurai creusé sa tombe. Ah. L'éclipse devait me tuer parce que je ressemble à une autre femme. Plus âgée, deux fois mon âge, cheveux courts. Qui est-elle ? Ta mère, ça c'est compliqué. Je ne sais pas. Mon focus a trouvé son image dans les ruines de la fin du Créateur. C'est peut-être là que tu la trouveras. Tu as trouvé son image dans les ruines ? Comment ? J'ai vu une porte, et à côté, un dispositif ancien avec l'image de cette femme. Mon focus a enregistré l'endroit. C'est vrai que tu lui ressembles. C'est ta mère. Oh, c'est moi chances, qui pose les questions. Oh, bah, je dirais pourquoi même. J'en ai assez entendu. Il est temps d'en finir. Je ne te demande pas de m'épargner. Mais si ton cœur est bon, libère ma famille. S'il te plaît. Où est-ce que je peux les trouver ? Mon focus les a localisés. Il y a toujours des gardes. Mais tu devrais t'en sortir sans mal. Tu vas devoir faire énormément de bien pour compenser tes crimes. Tu comptes m'épargner ? Après ce que j'ai fait ? Note bien. Oui. C'est pas souvent. Forge-toi une nouvelle vie, Olin. Une vie meilleure. Alors j'aurai une dette envers toi jusqu'à ma mort. Rends-toi là où ta famille est retenue prisonnière et attends-moi. Leurs vies seront les premières que tu sauveras. Je mérite pas ton indulgence. Mais je mourrai pour en être toujours digne. Je t'attendrai là-bas.
Bon. Eh ben, il retourne. Non, il y a... Oh là là. La fin du cratère. Mais c'est où la fin du cratère? Non, celui-là, si on peut se taper, je... C'est pas celle-là, c'est celle-là. Je pense que c'est un truc qui va nous permettre... C'est une quête secondaire, officiellement. Mais je pense que c'est un truc qui nous permet d'avoir de pouvoir tamer plus haut que le cheval. Du coup, on va la faire ensemble. Voilà. Donc, comment ça marche? Il faut savoir que je suis déjà rentré dedans, mais j'ai jamais fini, parce que c'est un truc qui m'énerve. V avant. Il y a une espèce de saut de parcours dedans et ça m'avait saoulé quand j'avais joué la première fois. Ça, c'est de la porte. Mais comment ça s'ouvre? Pardon. Je lui accorde que ça, c'est de la porte. Je suis vraiment sûr de vouloir aller là où il y a plein de tuyaux. Ok. Bon niveau. Le métal, la lumière. C'est comme si cet endroit faisait partie d'une énorme machine. Mais qui l'a construite? Pas moi. Ce truc ressemble à un tuyau triangulaire. À quoi ça sert? Ces trucs déplacent des composants. Je me demande où. Bon, oh, on tue tout le monde, hein. Ils vont rien réveiller du tout. Cette chose près du fossé, à quoi ça sert? Cette chose près du fossé. Ah, ça. Ah, on est en train de jouer. D'accord. Aussi bizarre. C'est bizarre. Si, c'est bizarre. Oui, il y a des trucs que j'ai zappé, moi. Bah, je me demande si je l'ai déjà fait entier, parce que ça me parle pas, ça, de... pirater comme ça à plein. Entier ici, après. On dirait que ces machines volantes déplacent des composants. On pourrait peut-être m'emmener. Ah si, ben c'est là. Je risque de le regretter. Alors c'est vrai. C'est ici que les machines sont construites. Mais pourquoi? Et par qui? Ça doit être le cœur du creuset, certainement. Comment je peux y entrer? Ah, la voix. Peut-être que je peux sauter sans mourir, moi. La machine ne m'emmènera pas plus loin. Je serai toute seule.
Rejoindre le noyau. Pour faire ça, vraiment, pas sûr. Bon, on est dans 10 tours. C'est pas toi qui m'arrêtera. Mince. Fais attention. Je pensais qu'on allait arriver un peu plus bas. Les autres n'ont rien remarqué. Ah, mais d'où l'intérêt de passer par les trucs, je viens de comprendre. C'est qu'on peut mourir. D'accord, donc c'est vraiment un jeu de plateforme. Pour le coup. Donc s'il faut bien prendre ça. Ça passe, nickel. Là, on descend. Bonne pioche. Quelle vigilance. Partout les veilleurs, il y en a partout. Ah, ça c'est pas un veilleur. Dommage, ce crabby là. Bon, ça va, c'est une bonne chose. Par là, on a dit que c'est par là qu'il fallait aller. Alors, par là peut-être, mais ça a l'air d'être par là là-haut. Hein. Bon, là, quelque chose me dit que si je saute dessus, je meurs. Même pas tester. Faire le tour. Et...
faut aller par là. Je garde ça pour la route. Ensuite... on continue. Alors là, il y a une tyrolienne. Pas se louper. On monte là-dessus. Hop, 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 hop. Hop. C'est bizarre quand même comme substance de plomb. J'approche du cœur. Ah, du bon son. Je me suis coupé le plan de je sais pourquoi. Descente en rappel. Pirater le noyau. C'est comme ça que les machines sont créées, sculptées par la lumière. Il y a des signaux dans tous les sens par ici. Pirater le noyau. Là, on ne peut pas y aller, il n'y a rien. Comment est-ce qu'on peut pirater ? Ah, bah oui. Ça va de soi. C'est ces machines-là, je pense. Ça.
quoi, il me semble que de tête. J'ai tout ce qu'il y a à voir. On dirait que t'aimes pas le feu. Ça m'aidera à les pirater. Tu montes, Ginette, tu montes. Je passe le courant. Tu montes. Je peux pas bouger. Ah oui, en effet, il y en a plusieurs. Je pensais qu'il y en avait deux ou trois. Mais... Donc voilà, ok. Du coup, prochain épisode, on va continuer la quête principale. Les annexes seront faites, je pense, ou sinon elles sont pas faites. Mais c'est pas très grave. Ah, c'est celui-là, c'est parce qu'il y en a une qui est plus haut que l'autre. Ok. Bon, vous allez me dire si on va là. Je pense que prochain épisode, on fera ça, ça et ça. Sauf si celui-là nous renvoie à l'autre bout de la carte. Dans ce cas-là, on fera pas ça. Je pense que ça fera du coup les deux quêtes principales. Et celui-là, je ne sais pas lequel c'est. Je ne sais pas s'il y a un ordre, si on peut les faire dans le désordre. J'en ai aucune idée. Voilà, moi sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse Pâques, une bonne année. Je vais essayer de retrouver. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a trop de trucs. Le truc là. On ne sait pas rempart, c'est. Mérignon. Bon, les camps de bandits, je les ferai en solo aussi. Il y en a un là. Je vais essayer de dégager. Enfin, je ferai pas mal de trucs. Je vais essayer de dégager toutes ces zones là. De quête. Jusque là, là. Putain. Bon, bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous souhaite un joyeux Noël, une joyeuse Pâques, une bonne année. Et salut tout le monde!